Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On continue donc avec les comportements méprisés en islam. Et aujourd'hui, inshallah, nous allons parler du gaspillage. Mes chers frères et sœurs en islam, outrepasser les limites, l'exagération dans toute chose et tout ce qui nuit au bien-être individuel et social est perçu par l'islam comme une progression négative. Le gaspillage est défini comme étant l'outrance, l'exagération dans l'accomplissement d'une activité. C'est dépenser démesurément sa parole, sa force, son temps, son argent et son bien. Yani, en d'autres termes, ce n'est pas agir dans la juste mesure. Le mot gaspillage est plus couramment utilisé pour exprimer l'exagération dans la dépense du bien. Le principe de base concernant le gaspillage est annoncé par le Qur'an. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an « Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure, c'est-à-dire vos habits, et mangez et buvez, et ne commettez pas d'excès, car il, c'est-à-dire Allah, n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Surat al-Araf, verset 31. Deux choses, mes chers frères et sœurs, sont nécessaires dans l'existence de l'homme. Acquérir et dépenser avec mesure ses biens. Si l'un des deux venait à manquer, l'équilibre serait perturbé. La vie serait difficile, la quiétude disparaîtrait. Apprécier à sa juste valeur les biens, les dépenser au bon moment, au bon endroit, est un devoir très important. Comme pour toute chose, être dans le juste milieu, dans ses dépenses, est la meilleure attitude. Mes chers frères et sœurs en islam, si le gaspillage est méprisé, c'est parce qu'il déstabilise le principe d'équilibre. La dépense excessive de l'un va nécessairement entraîner une dépense insuffisante de l'autre. Les gaspilleurs sont ceux qui détruisent cet équilibre à leur propre détriment et il est du devoir des croyants de le maintenir. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Sourate al-Furqan, verset 67. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre comportement méprisant en islam, c'est le vol. Le vol, c'est l'appropriation par quelqu'un d'une richesse, d'un bien ou un moyen qui ne lui appartient pas. Il est prohibé en islam car cela revient à gagner sans effort, sans sacrifice et à faire des victimes. Le vol est un signe d'un effondrement moral de la société. Et avoir recours aux solutions matérielles et spirituelles pour arriver à bout de ce mauvais comportement est un devoir humain. Mes chers frères et sœurs, l'islam reconnaît toute chose belle et saine, et elle rejette et interdit toute chose laide et nuisible. Le bien saint est celui acquis par la voie licite. L'islam ne s'est pas contenté d'ordonner l'acquisition du bien par la voie licite, il a aussi éloigné l'homme de la tentation du vol. L'islam a en effet prévu l'impôt social purificateur qui est la zekat, l'entraide, l'aumône et le prêt d'argent mutuel comme moyen de garantir la sûreté sociale. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an « Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel. Et ne vous tuez pas vous-même, Allah en vérité est miséricordieux envers vous. » Sourate An-Nisa, verset 29. Un autre comportement méprisant en islam, mes chers frères et sœurs, c'est le fait de railler les gens. Railler et insulter les personnes sont des attitudes immorales. L'homme vit entouré d'autres personnes. Vivre en société impose de construire des liens avec les autres. Celui qui raille ou insulte autrui aura perdu ainsi toute chance d'établir des relations sociales avec son entourage. Mes chers frères et sœurs en islam, railler les autres, c'est d'abord se considérer supérieur aux autres. Puis, les interlocuteurs sont dévalorisés jusqu'à les regarder de haut. Il se peut qu'en parallèle, il blesse par son comportement arrogant son frère croyant. Tout comme l'arrogance, nuire aux croyants est aussi interdit. Car agir de cette manière mène à l'affaiblissement des liens fraternels, à l'émergence de l'inimitié et de la haine au sein de la communauté. Notre religion assure l'inviolabilité de la dignité et de l'honneur de chaque individu. La pudeur, la réputation, la dignité, l'honneur qui composent les bases spirituelles de la vie sont intouchables. Et en tête des mauvais comportements qui blessent la dignité humaine se trouve la moquerie. L'islam insiste sur le principe de protection des droits, de la liberté, de la dignité et de l'honneur de l'homme. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Qur'an
Oh, vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. Quel vilain mot que « perversion » lorsque l'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Sourate al-Hujurat, verset 11. Mes chers frères et sœurs, les relations sociales doivent être construites sur la base de la sincérité, et cette sincérité se trouve dans le cœur des gens. Les gens connaissent l'apparence, mais ce que le cœur recèle est invisible. Devant Allah Azzawajal, ce n'est pas l'aspect extérieur qui va être mis sur la balance, c'est la sincérité des cœurs. La connaissance humaine n'est pas suffisante pour connaître et comprendre ce fait. C'est pourquoi personne ne doit mépriser ou blesser quelqu'un en le raillant. Ensuite, mes chers frères et sœurs, un autre comportement méprisé en islam, il s'agit bien évidemment de l'ostentation, c'est-à-dire de riya. Faire preuve d'ostentation dans son travail, ses propos, ses comportements, signifie que l'action menée, le service rendu, n'est pas fait avec l'intention d'obtenir la satisfaction d'Allah Azzawajal, mais plutôt pour recueillir l'estime des gens. L'ostentation prend sa source de l'arrogance et elle est liée aux agissements hypocrites. Les personnes ayant de tels agissements sont appelées hypocrites. Faire exubérance des biens que l'on possède revient à s'assurer un intérêt matériel, une gloire ou une célébrité, ou bien encore un rang social. La négligence des sentiments d'attachement et de respect aux valeurs sacrées est la pire version de l'hypocrisie. C'est tout simplement de la duperie et du mensonge. C'est une injure à l'honneur et à la dignité humaine. Le manque de sincérité dans les propos et les agissements de l'hypocrite est très vite perçu par l'entourage. Il n'a la confiance de personne. Et toutes les formes d'hypocrisie sont une preuve d'immoralité. Et l'hypocrisie dans le culte est d'une plus grande forme d'immoralité. Alors que le culte est exclusivement voué à Allah Azzawajal, accomplir le culte pour un autre motif que l'agrément d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, comme pour faire étalage, supprime l'agrément divin. Lire le Qur'an, prier, jeûner, donner l'impôt social purificateur, accomplir le pèlerinage, donner l'aumône pour se pavaner ou dans un intérêt quelconque, rend l'adoration vaine. Et Allah Azzawajal dit dans le Qur'an, « Ô les croyants, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre. Qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. De pareils hommes ne tirent aucun profit de leurs actes et Allah ne guide pas les gens mécréants. » Sourate al-Baqarah, verset 264. Accomplir le culte par une autre motivation que l'agrément d'Allah Azzawajal, s'adonner à la science pour faire étalage de son savoir, donner l'impôt social purificateur, c'est-à-dire la zekat et l'aumône pour que l'on se vante de sa générosité, n'est autre que l'expression d'un mauvais comportement qui ne va pas au-delà de l'hypocrisie. L'ostentation, mes chers frères et sœurs, prend de très nombreuses formes. Cependant, leur point commun est, sous les apparats de dévots et de loyauté, le désir de s'attirer un profit, la gloire ou encore la célébrité. Se tenir à distance de l'ostentation en étant sincère envers Allah Azzawajal et envers les gens, préférer la satisfaction divine aux éloges, aux désirs, aux critiques des personnes ou à la crainte et au profit est le principe moral du musulman. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.